mais c'est le fruit le plus nul du jeu. Bah nickel, dis que je suis une merde aussi, non? Oui. Tu l'es. Mais aujourd'hui, si tu réussis quelque chose, je vais t'offrir un fruit de zinzin. Les amis, comment ça va? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo Roblox. Vous avez été très nombreux à me demander de refaire une vidéo Roblox sur Bloxfruit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être en compagnie de Gizmo, qui est mon bête de bot et qui m'a demandé de venir, du coup, sur Bloxfruit, parce qu'il a un truc à me montrer, à m'offrir. Je sais pas trop ce que c'est, on m'a parlé d'un peut-être un fruit, je sais pas trop, il a pas trop voulu m'en dire plus, mais avant que la vidéo débute, si vous aimez les vidéos Roblox, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire si vous revoulez des vidéos Roblox ou non, et évidemment, à lâcher un max de pouces bleus, parce que je sais que vous voulez des vidéos Roblox, mais j'ai l'impression que au niveau des pouces bleus, vous êtes assez shy, assez timide. Donc pour cette vidéo, je veux que vous me montrez votre contentement face à mes vidéos Roblox. Alors je vous invite à mettre 25 000 pouces bleus si vous revoulez une vidéo Roblox. Voilà, j'en referai une aux 25 000 pouces bleus. Est-ce que c'est bon pour... Ok, j'arrive. Est-ce que c'est bon pour... Imbuvable, imbuvable. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. On est parti sur Roblox. Let's go. T'es où? Ok, ok, attends, je te suis. Ok, je vais créer un portail et tu vas devoir rentrer dedans, d'accord? Oula, on m'a toujours dit de pas suivre les inconnus. Mais on est... Mais tu me connais. Ouais, mais pas sur le jeu. Hey, suis-moi. Oula, c'est quoi ça? Non, avant que la vidéo débute et qu'on voit où est-ce qu'il va m'emmener, Choco, on fait quoi, Choco? Balance la pub. Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Du coup, le portail il est parti maintenant que la pub a été balancée. Ah bah attends, je reviens. J'arrive. Ouais. Laissez toute seule avec des ouf. J'ai peur. Faut que j'ouvre un portail, mais t'inquiète pas, ça prend un peu de temps. Ouais, ok, j'attends. Allez, viens. Ok, let's go. J'arrive pas à le prendre. Oh non. Mais je te jure, ça m'expulse. Quoi? Ah, tu n'es pas encore assez puissante. Je pense vraiment pas. Je te rappelle que je suis niveau 8. Je vais venir te chercher en bateau, c'est pas grave. On va faire un petit, une petite croisière. Ou alors une petite croisade. Ou alors je commande une péniche. Ouais, pour faire son anniversaire là-dedans. Ouais, ouais. On va faire ton anniversaire dans une péniche sur Bloxfruit ou quoi? Parce que si vous savez pas, petite anecdote, j'ai fêté mon anniversaire dans une péniche il y a quelques jours. Et c'était incroyable. Ah, let's go, ça fait plaisir d'entendre ça. Ok, je te vois. Ah, par contre, ton bateau il fait pitié. Hein. Comment ça il fait pitié? C'est un des plus rapides du jeu. Ah, ok, bon, bah j'ai rien dit. Il est vraiment trop incroyable. Beaucoup trop stylé. Regarde, il fait du feu carrément. Wow. C'est incroyable. Il est petit. Par contre, il peut prendre que deux personnes. Ça, c'est pas évident. C'est vrai, ça. Ok, alors, tu peux m'expliquer? T'inquiète pas, je vais tout t'expliquer. Tu vois, dans la vie, faut des fruits. Pour manger? Pour manger. Tu vas manger un fruit parce que là, tu sais, t'as déjà le fruit du. C'est quoi, le kilo-kilo, c'est ça? C'est ça. Mais c'est le fruit le plus nul du jeu. Bah, nickel, dis que je suis une merde aussi, non? Oui. Tu l'es. Mais aujourd'hui, si tu réussis quelque chose, je vais t'offrir un fruit de zinzin. Lequel? T'inquiète pas, ça sera une surprise, mais c'est un fruit qui te correspond plutôt bien. Est-ce qu'il est rose? Comment tu sais? Parce que je suis bien rose. Bah il est vraiment rose. J'aime les fruits roses, j'aime tout ce qui est rose. Et bah tu sais quoi, c'est un vrai fruit rose et je pense que c'est le fruit qui te correspond. Normalement les gens, ils ont capté duquel je parle. La fraise? Dans les commentaires, vous pensez que c'est quel fruit? La framboise? Mais c'est pas des fruits comme ça, mais t'as encore rien compris au monde de... Mais non, je sais que c'est des fruits spéciaux. Oui, mais ils ressemblent à... Bref, hey. Ok, je vais te donner une mission pour avoir ce fruit. Oh, pourquoi tu bouges comme ça? Attends, il y a un fruit vraiment qui est apparu, il est juste à côté. Mais tu cours trop vite. Je suis désolé, attends, il y a un fruit. Oh. Mais j'en ai marre, il court trop vite à côté de moi. Regarde, j'ai trouvé un fruit pour toi. C'est quoi? Tu veux m'empoisonner? C'est le fruit du haché, je te le donne. Fruit du haché? Tu veux le goûter? Ouais, comment on fait? Tu cliques dessus et tu le manges. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce fruit? Manger, lâcher? Ok, je mange, j'espère que c'est bon. Ouais, allez, goûte-moi ça. C'est... Là, normalement, tu vas avoir une petite attaque. Ok, et maintenant, bam, je fais l'attaque. Oh. C'est quoi ça? En gros, dis-toi que là, t'as le fruit de Baggy le clown. En gros, c'est le fruit où tu peux dissocier ton corps, tu peux dissocier les parties de ton corps. Mais c'est atrocement bien. Et ça va t'aider pour la première mission que je vais te donner, d'accord? Si tu veux le fruit que je vais t'offrir, il va falloir que tu défonces un joueur. Là, c'est méchant, ça, un peu, non? Ça fait partie de ton entraînement, d'accord? Ok, je suis prête à te faire tout pour avoir ce fruit, ok? Bah, tu sais quoi? Ça tombe bien parce qu'il y a un joueur juste là. Oh, il essaye de prendre la fuite. Oh! Mais comment je l'attaque? En plus elle a des ailes, mais elle est trop forte, t'es trop stylée. Reviens. Pour l'entraînement des chocos, reviens. Il est malade. Mais pourquoi je marche comme ça, Gizmo? Je vais jamais pouvoir gagner. Mais pourquoi t'arrives en mode John Jones là sur le ring? Mais je comprends pas pourquoi, Gizmo. Ok, c'est bon. Mais pourquoi je cours pas là? Mais je sais même pas comment on peut pour vous. Appuie sur contrôle. Ok, contrôle. Et là normalement tu peux courir. Mais non. Mais appuie sur contrôle et cours après. Mais...
toi et moi, on va partir à l'aventure. On va partir chercher une cible. Ok, je suis prête à tuer une cible. Ouh là là, ah oui, toi t'es déterminé. Non, là par contre, moi je vais avoir le fruit, j'espère que c'est une fraise, parce que j'aime beaucoup les fraises. Hop, on prend le petit bateau. Wow, allez. Il est trop stylé lui, t'as vu? Bah oui, c'est le mien. Je crois que je suis en train de me noyer là. Oh, tu es en train de te noyer, mais attends, mais c'est quoi attends, ce Ok, oh, t'as pris les canons carrément. Bah oui, il faut que je trouve une cible, une proie pour pouvoir la tuer. Ok, on va aller trouver ça. Je vais prendre radar de moi. Où sont les méchants? Allez, je suis prête. Allez, kill. Brrr, pop. Je crois que je deviens folle. Sur cette île, il y a pas mal de monde normalement, attends. Ah ouais? Ils sont où les gens? Il y avait du monde tout à l'heure, ils sont où? Ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Regarde, il y a un mec ici. Viens, on va le choper. Par le callback ou pas? On va le choper par le callback. Ouais, c'est un singe. Il est juste au-dessus. Non, c'est pas un singe, il est juste là. Il me frappe. Excuse-moi, j'arrive pas à sauter. Ok, c'est bon. C'est une catastrophe. Et tu veux que je... Mais non, mais je vais jamais réussir. Tu l'attaques. Tu fais W, tu le défonces. Oh non, on peut pas l'attaquer. Ah bon? Bah si, on peut l'attaquer. Il vient de le tuer. Tu viens de le tuer? Ah mais si, on peut clairement lui faire du mal. Ok, bah attends, bon. On trouve une autre cible, une autre proie. Ouais. Là-bas, il est là. Eh hey, mec, tu vas servir d'entraînement à ma pote. Bon, ok, c'est parti, je suis prête. Ça fait rien en fait. C'est parce qu'il a pas... Mais il est parti. Mais c'est surtout que c'est très nul. Ton fruit de merde là que tu m'as donné tout à l'heure, il ne fait rien. Oh, ça critique le fruit du haché maintenant? Bah littéralement oui, il sert vraiment à rien. Je vais voir si je peux t'avoir un autre fruit en attendant. On achète un fruit aléatoire. Bah ouais, pour ça Choco. Fait rien. Ça me déconstitue. En fait, c'est parce qu'il a pas activé son joueur contre joueur, du coup tu peux pas... Ah ouais? Bah écoute, tiens, si tu veux, j'ai un autre fruit pour toi si tu veux. Ah non, il l'a ramassé. Eh mais c'est très grave. Lâche, c'est très grave ce qui est en train de se passer là. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Pourquoi il vole mon punaise de fruit? Wow, y a un géant. Mais y a un géant qui est en train de m'écraser. Mais c'est quoi ce jeu de zaza? Qui joue? Attends, à Black Fruit? Attends, mais non, mais il m'a tué. Oh là 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 là. Moi je pense que tu vas juste me passer le fruit très gentiment, ou alors je vais te menacer. Ah mais non, mais j'ai très bien compris en fait. Je crois que t'es pas un niveau assez élevé pour taper les lions. Bah oui, ça me dit 20, niveau 20. Ah. Ton challenge là était très très nul. Moi je le demande compensation, parce que là j'ai mis tous mes efforts. Mais je pensais pas que tu étais aussi nul à ce point, désolé. Bah super, merci. Mais de rien. J'ai activé le JCG. Ah ouais? Crois, ça m'a dit ça. Ah non, bon, c'est quoi? Moi j'y passe moins de challenge là. Je vais te trouver une autre mission. Attends, lui déjà il commence à chercher les embrouilles. Oh, ça va se castagne. Oh merde. Ouh là là, où je suis dans un autre monde. Je sais même pas ce qui se passe. Pourquoi il y a des choses qui bougent? Ah, Gizmo. Vas-y. Non mais ils sont trop bateaux. Ils veulent bateau. Attends, je m'avance. Okay, okay. Voilà, c'est bon. Oh, ok, c'est on dingue. Se bat. Bon, Coup de canon. Ah, allez, bon sang là. On s'en va, c'est mon vibe. On se barre. Allez, bisous tout le monde. Salut les nuls. Ciao les nulos. C'est quoi? Je vais partir sur une mission beaucoup plus ridicule. Ouais, c'est quoi? On va aller voir un boss, et si ce boss te pète dessus, je te donne un fruit. Un fou rire? Un fruit. Ah, ok. Ok, tu me passes un fruit si oui. Je fais... Si le boss te pète dessus. Attends, je crois que j'avais pas tilté ce que tu viens de me dire. Tu rêves? Dis-toi que tout est cohérent dans ma phrase. Faut qu'il me pète dessus, sinon j'ai pas de fruits. Et bah quand on est un pirate, faut salir les mains, d'accord? Mais j'ai pas envie de me salir la tête, quoi. Écoute-moi bien, tout le monde s'est déjà fait péter dessus par ce Alors, mec, d'accord? Alors, peut-être que toi, oui, mais pas moi. Dans Écoute... les commentaires, je pense que tu es le seul à te faire péter dessus. C'était délire, c'est ton problème. Non, je te jure, tout le monde s'est fait péter dessus. Yeko, Termidi, tout le monde s'est déjà fait péter dessus par ce mec. Ah, par ce mec, pas dans la vraie vie? Bah non. Ah, ok. T'es bizarre. Normalement, il est là. Ok, normalement. Oh oui, il est là. C'est ce mec-là qui va te péter dessus. Et tu sais comment il s'appelle? Peter. Il s'appelle Franky. Ouais, allez. En plus, le nom, Théma. Il va te faire péter dessus par Franky. C'est quoi ça? Ce mec-là, il peut te péter dessus. Non. Alors, il faut juste que tu l'approches, tu lui dis pète-moi dessus et il va te péter dessus. Il fait un peu peur, pète-moi dessus. Oh, il t'a juste tapé. Mais il m'a tué surtout. Attends, reviens, t'inquiète. Franklin, tu vas me péter dessus. Je vais l'attirer. Pète-moi dessus. Oh, il va nous péter dessus. Attends, mais tu sais qu'il y a des gens à côté là, il y a des gens à côté de la porte. Il m'a pété dessus. Attends, écarte-toi, Choco. Mais non, allez. Mais oui, mais c'est toi, tu rentres dessus, il nous pète dessus. Tes missions, elles sont impossibles, c'est mission bon, okay, impossible. Ok, c'est pas grave, vas-y, je pense que t'en as assez bavé. Je comprends pas que, excuse-moi, en fait tu veux... Eh, le titre de la vidéo, c'est il me fait vivre un cauchemar, c'est ça? Ok, t'en as trop bavé, viens avec moi, barre de là, je vais aller t'offrir ton fruit là, t'en as trop bavé, ça y est. Tu m'as fait vivre un cauchemar. Je suis désolé pour ça, je pensais pas que ça se passerait comme ça. C'est pas grave. Allez bon, youhou. Tu peux pas t'asseoir, ne bouge pas. Je suis littéralement debout sur un bout de la roue. Sur une poulie. Techniquement, c'est impossible. Tu as un équilibre incroyable. On dirait les mecs là dans le bus qui restent debout face à tout. Ah ouais, et qui bougent pas alors qu'il y a des gros freins. Ils tiennent même pas, c'est des zinzins. Est-ce que vous faites partie de l'élite? Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Crois bien. Ok, allons t'acheter ton petit fruit. Non, mais par contre, pour de vrai, tu vas vraiment m'offrir un fruit? Ouais. Il est rose. Il est rose. Il est vraiment rose. Il est tout rose. Il est rose. Il est quelle couleur de rose, genre rose comme mes cheveux, rose cœur. Rose cœur. Ah, bonjour messieurs,
j'aimerais le petit fruit. Pour Choco, un rose s'il vous plaît. Un cadeau, chocolat et vanilla, cadeau, et on l'offre. Ah mais du coup ça t'a coûté cher? Ouh là là, 1700 Robux. Quoi? Non. Love, tu as non. le fruit de l'amour. Attends, t'as vraiment acheté 1000, combien? 1700 Robux. Robux? Oui. Non mais là, vraiment ça me choque parce que j'ai jamais eu 1700 Robux, je pense. Et bah maintenant tu as un fruit à 1700 Robux. Pleure pas, ça va bien se passer. Ça me touche beaucoup trop là, excuse-moi. C'est un truc que personne ne m'a jamais fait du tout de ma vie. Jeune acteur en Roblox. Non vraiment, en vrai c'est trop stylé, merci. Par contre, tu me l'as pas offert parce que je l'ai pas. Ah, il y a quelqu'un qui dit abonnez-vous. Alors, parle à ce mec. Bonjour mec. Tu parles à ce mec normalement et là tu vas avoir une liste de tous les fruits. Descends dans la liste jusqu'à temps de trouver le fruit de l'amour avec un cœur. Oh, il écrit équipé. Oh bah tu peux l'équiper du coup. Tu m'as confirmé, équipé. Tu m'as offert là... le fruit de. Eh oui. Ok, merci. T'as ta première attaque. Attends, le headshot. Et comment on fait le headshot? Maintiens. Oh, what the fuck. C'est trop satisfaisant. Le cœur et boum. Mais c'est la meilleure. Mais merci, c'est le meilleur. Je te jure, le meilleur cadeau qu'on m'ait fait. J'ai un cœur. Parce que tu sais que là, t'as que la première attaque. Mais si tu tues des boss avec ces attaques là, et bah tu pourras faire évoluer ton fruit et avoir d'autres attaques. Attends, laisse-moi te montrer les attaques que tu pourras avoir quand même. Bah montre-moi ça, je veux voir. Là t'as la Cupid Zone. Tu fais ça, hop, t'es mal. Il y a l'arc de Cupidon. Quoi? Comment on fait? Hop, bah toi tu peux pas encore. Ah, faudrait que je tue des boss. Ok. Je vais tomber des météorites de love. Et en plus t'as vu, du coup c'est méchant mais en fait c'est gentil, c'est mignon. Y'a un cœur qui bat, j'ai un. C'est trop mignon, mais toi aussi t'as ça. What? Et il y a la giga attaque du Besto Friendo. Et regarde, en fait, tu fais ça, hop, et ça crée un pote. Et ça te crée un pote quand tu fais ça. Oh, tu sais que là, j'ai trop hâte. Demain, je vais tuer plein de boss. Je veux avoir tout ça. Et là, regarde, ça m'a créé un meilleur pote. Regarde, Gizmo officiel friend. Non, j'avais pas vu. C'est vrai que ça te crée un pote qui va t'aider à défoncer les gens. Non, pour de vrai. Ah, regarde, il me suit où je vais. Je vais t'emmener faire un petit tour. Emmène-moi faire donc ce petit tour. Et hop là. Non. Normalement, tu peux monter avec moi normalement. Non, tu trolls. J'ai ça, je pourrais avoir ça aussi. Bah ouais. Non. Faut avoir un petit flamant rose. Tiens, monte sur mon flamant rose. Ok. Tu peux pas monter dessus? Non, tu peux pas monter dessus. Oh non, je pensais que tu pouvais monter dessus. Mais il est trop mignon ton petit flamant rose. Attends, fais voir. Oh, il a des lunettes. Ah, oh, je kiffe. Merci, Gizmo. Et tous, merci. Avec un gros cœur. Bah du coup, rose et rouge, deux cœurs. Un rose et rouge dans les commentaires. Merci Gizmo, t'es le boss. Aïe aïe aïe, maintenant tu vas faire de grandes choses. Bienvenue dans le monde de la piraterie. Merci Gizmo, merci. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Écrivez tous merci dans les commentaires au grand Gizmo. Plein de gros bisous. Bisous à tous. Bye. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.